On the way down, screaming. If all we have is time, then we'll be alright. Salut à tous, c'est Farming du 74. Alors, avant de montrer ce que j'ai à vous montrer, je vais vous dire que là, actuellement, je filme avec le nouveau téléphone que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, le Conroe Just 5. Donc voilà, vous voyez comme il est rapide. La caméra est vraiment mieux que mon Sony, qui est en train de faire une vidéo juste ici. Enfin, qui est en train de la produire. Donc là, les vidéos, ça va y aller nickel. Regardez, il n'y a aucun flou. Il s'adapte tout de suite. Vous avez même la possibilité de prendre des photos en même temps que vous filmez. Avec mon Sony, je peux le faire, mais les photos, elles sont toujours floues. Alors que celui-là, nickel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le Wi-Fi routeur portable 3G 4G wireless N router. C'est le modèle TLMR 3020. Donc voilà, garantie 3 ans, vous le trouvez à Darty sous commande. Voilà, il coûte 27,92€. Là vous pouvez connecter une clé USB 3G 3G 4G. En haut vous avez le Wi-Fi qui repart. Vous pouvez connecter des ordinateurs et là je sais pas quoi. Power BI adaptateur. Donc voilà. Et vous avez plusieurs modes. Alors le mode 3G, 4G et WISP et le mode AP. 3G, 4G USB, c'est que vous branchez une clé USB 3G, 4G ici. Pour le refaire pour faire internet en wifi. Je vais vous montrer là. Mode d'emploi, on n'en a pas besoin. Ça voilà. Une prise ADSL pour relier un ordinateur fixe. Le mode AP. Ah si, il a quand même un peu de mal à zoomer. Donc le mode AP, là la prise de courant et là le bouton pour les modes. Ici, vous avez le mot de passe wifi. Là, vous mettez votre clé USB 3G, 4G. Ici, le WISP, Internet, Wi-Fi, port et power. Donc, voilà. Il y a son câble d'alimentation juste ici. Son adaptateur. Et je vais le brancher tout de suite. Donc voilà, le câble est branché, vous avez juste à le relier là. Donc ici et là, vous attendez le démarrage. Bon. En attendant, voici mon chargement. Donc voilà, il a bien démarré, vous avez la lumière internet qui fonctionne, la WPS. Et là, à l'écran, vous avez juste, voilà, regardez, l'affichage du Wi-Fi qui génère, Wi-Fi Setup. Donc voilà, il est bien. Le mode AP, il vous suffit de brancher un câble ADSL ici, le relier à votre ADSL local de chez vous, et il répétera par filière. Après le mode 3G USB, c'est pour mettre la clé USB 3G. Il peut aussi partager les données si vous branchez une clé USB classique de données. Et il vous suffira aussi de le régler sur 3G, 4G USB. Après, il y a le mode WISP. En fait, vous le connectez à un réseau existant, il le répétera plus loin. Il l'amplifiera. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. Donc, voici le nouveau téléphone avec lequel je filme. Coucou, copain. Et franchement, il est pas mal. Hein ?
Mon petit Sony va être jaloux parce qu'il est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup. Il marche vraiment. Ah, c'est mon enceinte qui a plus de piles. Je croyais que c'était l'interphone. Bon, bref. Et c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est bon, ça sonne pas l'interphone, tu vas te calmer.